N'aie pas peur, Fousi. Ce sont nos amis. Oh oui, je sais. Je sais que ce sont nos amis, mais j'ai un petit peu peur. Mais tu as peur de quoi? Je peux peut-être t'aider. Oui, j'aimerais savoir si moi aussi, je peux attraper le monstre virus. Alors oui, effectivement, tu peux aussi tomber malade. Mais comme tu restes chez toi, avec les gens que tu aimes, alors tu as très très peu de chances d'attraper le monstre virus. Mais si tu tombes malade, ne t'inquiète pas. Tu n'auras pas une forme grave de la maladie. C'est-à-dire que tu auras un petit rhume, et puis ça passera au bout de quelques jours. Au moment où j'enregistre ce petit message, nous n'avons pas vu d'enfant de moins de 10 ans ayant attrapé une forme grave de la maladie. Tu vois, Fousi, on ne sait pas pourquoi, mais plus on est jeune, plus on est résistant face à la maladie. Oh, ben tant mieux. Oh. Mais en tout cas, si tu es trop stressé, surtout il faut en parler à papa et maman. Et eux pourront trouver des réponses auprès de leur médecin, ou même sur Internet. Mais attention, des sites vraiment fiables. Oh oui. Mais tu sais, des fois, je suis tellement énervée que je n'arrive même plus à respirer bien. Oh, mais ça, je connais aussi. Tu sais, si tu veux bien respirer, alors je vais t'apprendre quelque chose. En tout cas, quand tu es trop stressé, tu pourrais faire 3 grandes inspirations et 3 grandes expirations. Regarde, tu commences en inspirant par le nez et tu bloques quelques instants et... Tu souffles par la bouche, tu sais, comme si tu soufflais dans une paille magique. On va recommencer encore une fois. Tu inspires, avec ton nez, tu bloques, et là, tu souffles par la bouche, encore une fois, comme si tu étais en train de souffler dans une paille. Tu le fais 3 fois et tu vas voir, ça fonctionne. Oh! Oh oui, c'est vrai. Oh oui, je me sens tellement mieux. Oh merci. Comme ça, je pourrais faire un gros dodo cette nuit. Oh oui. C'est une bonne idée et je vais même te faire un petit bisou. Car les petits bisous, ça fait toujours du bien avant d'aller dormir. À bientôt les amis.